Ah ben bravo, bravo. Moi, pendant que j'étais en train de demander si à la Coupe du Monde de la chocolatine, le jury il faisait un classement par ordre décroissant, qu'est-ce que j'apprends? Ce week-end, il y avait les concerts de Big Flo et Oli au Stadium. Ah ben dans les événements marquants de l'histoire de Toulouse, on retiendra ça et l'invention du banoffee. Au début, ils voulaient faire ça à la salle des fêtes de Cugnot. Mais je vous cache pas qu'on aurait été un petit peu serré. Donc au Stadium, c'est mieux. Du coup, j'ai mis mon pull de Pascal Duprat. Hommage. 60 000 personnes en deux jours. J'ai croisé un supporter du TFC, il n'avait pas vu ça depuis 1984. Enfin, 60 000. 59 994. Non, parce qu'il y a la famille Ramos de Tarascon-sur-Ariège qui a pas pu venir à cause qu'on pouvait pas garer sa calèche sur le parking. J'accompagnais le fils d'une copine, un ado, qui s'appelle Gros. Toi, tous les ados, ils s'appellent Gros. Ou Frère. Ah bah, public hyper familial. Heureusement que j'avais retiré mon bracelet électronique. Pour patienter avant le concert, on a fait une hola. Les Toulousains, enlevez les mains! Les Aveyronnais, fouillez les poches! Ah, il y avait plein de buvettes! Mais bon, fallait pas être déshydraté. Combien d'entrecôtes en fait? Ah, au bout de 45 minutes, moi j'ai commandé un fût, directement. Donc d'un côté, il y avait les papas comme moi, les plus de 40 ans, avec les blagues de papa. Ah, et non, ce soir c'est plutôt Big Flotte et Oli! Et de l'autre côté, les moins de 12 ans, avec leurs blagues à eux. Eh, t'as déjà vu une tomate chanter? Non, parce que moi j'ai déjà vu une carotte râpée! Gros! Bon, je vous cache pas qu'au début j'étais là, oui, bon, ça va être mignon, des chansons pour les gosses. Au bout de 10 minutes, j'étais, eh, c'est quand même pas mal. 20 minutes et 7 bières à la buvette passée, j'étais en train de danser en slip sur la pluie, on s'en bat les couilles. Oui, il fallait y être le vendredi soir, sinon tu comprends pas la pluie. Bravo les gars. Oh, émotion, énergie. À un moment donné, quand votre papa il est monté sur scène, j'ai versé la petite larme. Bon, aussi parce qu'il n'y avait plus de bière. Et big up, comme disent plus les jeunes. Déjà, moi-même, la salle des fêtes de Cugnot, je serais content. Mais c'est ça, hein, faut se mettre au rap. Ah bah tiens, hey Mélissa, on fait le rap là qu'on faisait J'ai pas de temps là, Fred, faut que j'aille au parc. Non mais je te paye un rosé. Vas-y Fred, file-moi le beatbox. Tu pas. Tu te prends pour un cowboy, tu penses porter la ceinture. Lorsque tu me siffles dans la rue, tu penses avoir de l'envergure. Mais puisqu'il faut le répéter, encore une fois je vais le préciser. Je porte des jupes à la mouquette. Si je veux. C'est pas pour ça que t'as quéquette. J'en veux. Arrête tes phrases pourries quand tu m'accostes. Te faire ton malin sous ton polo là, accoste. Ta garde-robe, mec, c'est la tristesse. T'as vraiment cru que tous les jours y a EPS? Pour qui? Pourquoi tu te prends? Shake mon bouti en pleine tête à base de C, cellulite. Je t'éjecte à coups de schlag, de peau d'orange, te renvoie direct dans ton ranch. Changerai pas pour toi, je ne bougerai pas d'un iota. N'oublie pas que j'ai le droit de vote, je suis pas là pour la peau. Pote Marie Curie. Représente! Edith Cresson. Monte le son! Prends garde, mec, car Simone. Veille. Mon rap de meuf direct sorti des ovaires. Assieds-toi et écoute, on va te mettre game over. Vert. Bla! Et puis, je vous ai croisé, vous, qui suivez les vidéos tous les lundis. Merci. À lundi.